Et yo les Nakama, c'est Shodaime. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du Let's Play de Attack on Titan 2. Et voilà, comme je vous l'avais dit, c'est sorti plus tôt que l'épisode 3. Tu vois, l'épisode 3, il a mis grave du temps à sortir. Celui-là, je l'ai sorti plus rapidement. Et on reprend directement en pleine action. Et je peux vous dire que... Vous voyez, j'ai dû me retaper tout ce qu'il y avait dans l'épisode 3. C'est-à-dire, j'ai dû retourner parler à tout le monde et tout. En fait, tout ce que vous avez vu dans l'épisode 3, j'ai dû le faire en 2 secondes, là. Voilà. Parce que ça, c'était pas validé, j'ai dû reparler à tout le monde. Ah, ça, il parle du fameux mode rage. J'ai dû reparler à tout le monde, c'était chiant. J'ai même dû... Il y a même une scène que vous avez pas pu voir, enfin, il me semble, avec Sacha. Donc voilà, bon, c'est pas très important en soi, mais bon, voilà, vous avez raté une scène que il me semble qu'il n'y a pas eu dans l'épisode 3 avec Sacha. Donc voilà, et là, bah écoutez, on est vraiment parti pour commencer. Et ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, on attaque directement en pleine action, tu vois. Et ça, c'est beau. Nous, on aime ça. Pourquoi il parle de ça? C'est nul, ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, croix en vol avant que l'attaque d'un titan vous touche. Triangle en esquivant pour donner un coup de grappin. Vas-y, attrape. Attrape-moi. Voilà. Ah, c'est déjà l'échec de la mission. Ça s'est fait très rapidement quand même. Bah, je l'ai éliminé, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment validé. Donc pour la peine, on va aller à l'extérieur des murs, ce mec. Ah non, c'est juste que c'était fini. お前が倒しちまったのか。違う。5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。 D'accord, donc en fait j'avais juste à faire un petit truc en plus pour que ce soit validé. Et moi comme un con je me suis arrêté d'un coup, tu sais. En fait je me rends compte que j'avais juste une mission de plus à faire, tu vois, là où je me suis arrêté. Et là ça aurait été fini, tu vois. Eh ben non. Moi comme un teubé je me suis arrêté. Je me suis dit 30 minutes on arrête, tu sais. Alors qu'il y avait quoi, 2-3 minutes en plus à faire et voilà c'était réglé. Aïe 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 aïe. Putain, si j'aurais su. Ou si j'avais su, je sais même pas comment dire. Si j'avais su. Ouais, c'est ça, si j'avais su. Le mec il galère avec le français, tu sais. Et voilà, il y avait juste ça à faire en plus. Je suis dégoûté, j'ai le seum. J'ai le seum, j'aurais pu. On en aurait pu. Enfin, on aurait pu en arriver là la dernière fois, mais non. Monsieur Shodaime est teubé. Je n'arrive pas à croire que les titans ont franchi le mur aujourd'hui, comme par hasard. Bon, on va un petit peu parler à tout le monde. Prends tout ce dont tu as besoin avant que l'opération commence et n'oublie pas de faire le tour de ton équipement. Comme ça? Là, je pense que j'ai bien fait le tour, là. Ça va aller, tout baigne. Tout baigne, elle t'a sorti quand même, hein. Allez, tout va bien se passer, on en a bavé pour ça pendant 3 ans de formation. On peut pas mourir maintenant, pas aujourd'hui. Et si...
on peut pas se dégonfler. Des titans à l'intérieur des murs. Je vais devenir un explorateur, je ne peux pas me laisser décontenancer par l'ennemi. C'est faux, t'sais, comme dans le la chaîne Retake, là, t'sais, des résumés de Shingeki. Mort de rire, t'sais. C'est faux. C'est vrai. Merde, ce sera pour la prochaine fois. Oh, comment j'ai fait? Ce sera pour la prochaine fois. T'es avec un accent chelou, genre. Je n'ai pas réussi à avoir sa peau à l'époque, mais dès que ce salopard se repointe, je lui fais mordre la poussière. En attendant, là, surtout toi qui a mordu la fumée, là, tu vois, j'ai envie de te dire. Sacha, c'est le mec qui va faire, il va casser les couilles avec tout le monde. C'est le titan colossal. C'était le titan colossal? J'arrive pas à croire qu'il ait pu exploser le mur comme ça. Je comprends pas pourquoi il est apparu d'un coup. Ah, je me sens mal. Connie Springa, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, ça fait 5 ans que les titans sont pas entrés dans l'enceinte des murs. Pourquoi maintenant? On n'a pas le choix, il faut se battre, tuons-les tous, on est foutus, on fait pas le pas. Tuons-les tous. Soyons fous. Ha ha, c'est ça, hier encore on était que des cadets, on n'a pas la moindre chance. Ben quoi, je croyais que t'étais un génie, qu'est-ce qui se passe? Tu te dégonfles? Tapette, c'est le mec. Tout ce qu'on peut faire c'est se donner à fond, pas vrai? C'est faux, c'est le mec. Je vais casser les couilles. J'ai entendu parler de toi, tu travailles dur à ce qui paraît, tu aurais peut-être besoin d'un équipement plus performant. Si j'avais les matériaux nécessaires, je pourrais fabriquer un équipement plus performant. Alors, améliorer. On peut pas. Oh stylé, en plus il serait en or. Putain, il me manque deux plaques d'acier, il a pas des plaques d'acier là. 2, 4 et 6 j'imagine. Et ouais, je pourrais hein, techniquement. Il me faut juste 6 plaques d'acier. Donc toi, est-ce que tu aurais des jeunes plaques d'acier? Là on a du bambou, des bris. Nique ta mère! Il m'aurait juste fallu des plaques d'acier, mais il faut qu'il casse les couilles. En plus, j'aurais eu un équipement en or, le truc trop stylé, tu sais. On peut y aller. Tu as fini de te préparer. Putain, je suis dégoûté, quoi. J'avais juste ça à faire. T'as vu, j'aurais juste eu une mission de plus à faire dans le dernier épisode et ça aurait été fini. J'aurais pas eu besoin de tout refaire avant de commencer l'épisode, là. Putain, j'ai le seum! Putain, il est stylé avec sa petite barbe, lui. Putain, c'est la coiffure que je voulais me faire, en plus, où j'hésitais. Ok, dans ce cas, rejoins les rangs au point de rassemblement. T'as la petite beubare et tout, ce serait stylé ça de pouvoir se mettre une petite beubare, mais on peut pas. Après, tu me diras, c'est parce qu'on est que des cadets, tu vois. On est des petites merdes. Ah! Opération de défense de Trost. Le titan colossal est une fois de plus apparu et a détruit le mur extérieur de Trost. L'objectif de l'opération de défense de Trost est de stopper l'invasion des titans. Le plan prévoit de déployer la garnison à l'avant-garde, les cadets au centre et les unités d'élite de la garnison à l'arrière-garde. Tous ont pour mission d'éliminer les titans. Voilà, en gros, c'est le gros de l'objectif, quoi. C'est l'objectif principal. みんな、心して命を捧げよう。解散。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は聖藩の後衛部隊に入れ。しかし、私の腕では足手まといに。ミカサ。 人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ。 J'aime bien parce qu'il dit ça, mais il va se faire bouffer comme une merde. Ah non, je suis désolé, ça c'est pas mon équipement.
バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと。もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。いいところに聞いてよ、ユミルとボニーったら。はいはい、分かった分かった。私のクリスタに免じて、今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前ら Ça, tu vois, c'est stylé parce que c'est des points de vue qu'on a jamais vu. Alors, chapitre 1, épisode 2, première bataille. Juste avant, si vous le permettez bien, je vais boire un jeune coup. Ah, voilà. Comme dirait un certain Efkan, ça fait du bien par où ça passe. on va aller voir Ymiru. Wow, stop. Pas besoin de... Le mec, il veut monter au 7ème ciel, tu sais. Voilà, allez hop, on a Ymiru dans l'équipe. Maintenant, on va bouffer du titan, comme dirait Eren Yeager. Ah tiens, attends. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Ça va, ils ont tous débarqué d'un coup. T'as vu ce qu'il t'a fait celui-là? Le mec, il a foncé dans le mur. Ça doit être un putain de déviant, lui. Allez, ah merde, je peux pas viser encore. T'es chier. Ah, voilà. Non, arrête. C'est ça qu'on veut. Non, Jaeger. Tu sais comment il s'est fait tuer le titan, c'est exact, ça me fait trop penser à ça. C'est bien ça pour one shot les titans quand ils te regardent pas. Par contre quand ils te regardent c'est une autre histoire. Lui tu vois, laissez-moi vous dire que c'est mort. Parce que quand vous essayez de le viser de face, sa jauge de rage elle se remplit encore plus rapidement. Et oui. Oh le sang il gicle 15 000 fois plus que dans le 1 quand même hein. J'espère qu'il avait pas le sida le titan. Regarde lui tu vois il tourne le dos. Et bah tu fais ça. Hop là voilà. J'ai des vrais couteaux de boucher tu vois là. Je pense que le titan peut le couper le bouffer comme il dit Eren tu vois. Là pour le coup ouais. Au sens propre. Ah, Ymir reconnaît ma valeur. Ça fait plaisir. Attends, je vais. Mais ça va, 1 km la meuf, elle est. Tu vas attendre un peu, Sorette là. Hein. Ah, les fameux appels de détresse. Ah, il est tout petit lui. C'est une petite merde. Ta gueule, tiens, t'as même pas ton mot à dire. Bon. Allez, on va aller sauver cette jeune fillette. Ça, c'est trop stylé, les étincelles. Allez, on accélère le pas, Stein. Monsieur Steinkampfer. Allez, fifou. Putain, j'ai l'impression qu'il va pas très vite. Dans le 1, il y avait plus une impression de vitesse, je trouve, quand même, quand on se déplace avec l'équipement tridimensionnel. Je sais pas si vous ressentez la même chose, vous. Enfin, à travers les vidéos, parce que je sais pas si vous avez le jeu, mais pas, je sais pas, je trouve qu'il y a moins un sentiment de vitesse quand on se déplace à l'équipement tridimensionnel, là. Toi, t'as des trésors dans la jambe droite. Ça va, la meuf, elle a crié comme si on avait tué ses... Comme si on avait détruit tous ses semblables, tu sais. On a buté toute sa famille. Ça se trouve, c'est peut-être le cas, hein. T'inquiète, tu me le rendras après cette mission. On ira dans les toilettes et on aura une affaire à régler. C'est le mec. Ah, lui tu vois il tourne le dos. Bah là, on s'arrête. Merde. Vise bien. Et voilà, tu vois. Mais c'est, surtout que c'est celui que je visais même pas à la base qui vient me casser les couilles. Voilà, tiens. Bah merci de m'avoir interrompu dans ma mission. Tu vois tout ça on s'en bat les couilles. C'est un petit peu les mêmes bases que dans le 1.
Donc y a pas trop besoin de lire, tu vois, surtout que le jeu je l'ai déjà fini une fois, le 2. C'est vraiment parce que je vous aime hein, que je le refais, mais en let's play. Hein. Hop là! En tout cas, ça me fait plaisir parce que je sais que Attack on Titan, c'est un let's play que vous voulez voir. Tu vois, chaque épisode, vous les demandez. Et que ça, ça fait plaisir. Regarde, attends. En espérant qu'il se retourne pas, ce zigoto. Et merde. C'était un jeune fail de ma part. Nique-lui la jambe! Ah! Fuyons! Allez, change ton équipement. Pourtant, j'ai utilisé Ymir pour utiliser la grenade flash, mais bon. Enfin, la grenade aveuglante, pardon. Et il est même pas mort. Solide le titan. Sa nuque, frère, il l'a bien musclé. Et ça nous compte pour. Enfin, ça nous compte comme une élimination supérieure, du coup. Et ouais, je sais. J'ai la haine envers les titans, surtout envers le cuirassé. Que je kiffe en vrai. Hein. Mais dans le jeu, je me mets dans la peau de mon perso, tu vois. C'est de sa faute si ils sont morts, mais. Enfin, voilà quoi. Si mes parents ils sont morts, c'est un peu de sa faute. Top ta gueule. Aïe! Allez, on va aller à l'objet. Hop! Attends. Parce que lui, il est là comme ça. Il marche comme ça, tranquille. Il a cru qu'il allait au McDo, le mec, tu sais. Toi! Toi, tu vas mourâtre. Regarde la position qu'il a! Mort de rire comment il mettait ses jambes le mec. Et hop là, c'est ça qu'on veut. Ouais. Nique ta mère ce mec. Là franchement je trouve il y a un sentiment de vitesse qui est moins bien que dans le 1. Tu vois là quand j'avance, quand je me déplace avec l'équipement, je passe, je trouve ça va grave moins vite que dans le 1 en fait. C'est dommage hein. Putain, mais ils ont tous des trésors dans les jambes ou c'est comment? Espèce d'enculé! Tiens, allez, Cogni. Voilà, je préfère. C'est quoi ces soldats qui s'affassent démerder seuls là? Targa gaskete kure! Non, daskete kure. Targa daskete kure! Tra, les étincelles, c'est de la frappe ça par contre. Allez, j'arrive les gars. Nous allons vous sauver. Wouhou! Ok, lui là, il a... Attends, tu sais quoi, je préfère d'abord buter lui, parce que lui il a rien. Une fois que lui il est mort, on s'occupe de lui et de son trésor dans la jambe. Mais c'est quoi ce vieux rendez que... Carrément, vas-y, il pue la défaite ce mec, tu sérieux là? Attends, je vais aller me réapprovisionner quand même là, vite fait. On va aller bâtir. On va aller construire une jeune tour, tu vois. Histoire de se réapprovisionner. Voilà. Ça, c'est nice. Là, on est bien, tu vois. Attends, on va aller buter les deux titans qui sont pas loin. Allez, tu peux y arriver. Mets-le là, c'est Spider-Man. Mais t'as cru. Oh, Spider-Man, il est pas encore sorti, frérot. Hein. Oh, le jeu, il est pas sorti, il sort en septembre. Hein. Sois pas pressé comme ça. Le titan, il a cru que c'était Spider-Man, tu sais. Connard, va. Ta gueule toi. Voilà. T'as beaucoup de titans vers l'entrée quand même hein. Mais bon, on va essayer de se concentrer sur les objectifs, puisque quand je jouais seul, à chaque fois je me concentrais plus sur les titans et c'est pas bon.
c'était pas bon, à chaque fois je finissais avec un rang en dessous de S. Je vous jure, hein. Bon, là, je vais être en manque de gaz, mais c'est pas grave. Parce que la bite nègre... Voilà. Maintenant, on va récupérer notre jeune... Enfin, on va se réapprovisionner en gaz. Enfin, c'est pas vraiment se réapprovisionner, c'est surtout on va changer de bonbonne de gaz. Enfin, c'est fait, là. Regardez, eux, ils courent en mode... Ouais, j'ai essayé de chanter une musique de Naruto, mais si vous avez reconnu, vous êtes des vrais. Vous avez sauvé membre de la garnison. Bon, maintenant que c'est fait, on va tracer tout droit, parce qu'il y a un jeune titan. Pas loin. Putain, je vous jure, c'est chaud comment ça va moins vite. Voilà. Ravitaillez-vous. En prévision de l'attaque des titans. T'inquiète, on est bien. T'inquiète. Hop là. Tu l'as pas vu venir, Morey, hein. Tiens. Attends. Ah bah voilà, parfait. Hop. Là aussi. On va faire une jeune construction. Mais non, mais frère, t'es sérieux? Regarde-le celui-là. Il a les bras, on dirait le titan bestial, tu sais. Aussi long que le titan bestial, les bras. Ils ont bien fait un gabarit. Oh l'enculé! Ils ont bien fait un gabarit au titan. Au titan, genre bien avec des longs, des bras bien longs, t'as vu? Histoire que. Il puisse bien nous attraper facilement. Merde, c'était même pas ce que je voulais faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Regarde la calvitie de bâtard qu'il a. Tu sais quoi? Tiens. Je vais pas te laisser souffrir plus longtemps, t'as vu? On va essayer d'un petit peu de... Bon, vu qu'il reste pas beaucoup de titans, on va un petit peu tous les buter, tu vois. Histoire de... Non, en bas, voilà. Putain, j'ai galéré, hein. Voilà. Et là... Merci. Lui, Théma, tous des bras longs, c'est abusé. Bon, ma parole, t'as l'air de tellement insister. Tiens, ta gueule. Ah d'accord, il s'en bat les couilles. Bah nique ta mère. Deux fois. T'as vu, j'ai envoyé tout le monde, j'ai envoyé le peuple, voilà. Ça l'enculé, va, bah, tout pour casser les couilles. Tout. Attends, on va se ravitailler parce que j'ai un de chaque côté. Oh l'enculé, tu l'as vu débarquer? Attends. Et voilà, regardez-moi. Allez, nickel, voilà. Comment faire de la merde? Hop là. Voilà. Mais comment assumer ces conneries? Voilà. Deux tutos en un. C'est fou, hein. Maintenant, il manque plus que lui. Je sais pas pourquoi je sens que le rang S, je vais pas l'avoir. Ça va, malgré qu'il y ait tout le monde qui se soit jeté sur sa jambe, il l'a pas perdu, hein. Petit con, va. Allez hop, on change de lame. Et là on va se taper contre un titan un petit peu plus résistant que les autres, mais un tout petit peu, tu vois. C'est quand tu vois les titans qu'on voit à la fin. Wesh, il est tout noir. Ah frère. Voilà. Allez hop, ça c'est fait. Attends, il a un petit trésor quand même dans, dans son bras. Arrête de bouger. T'es fait exprès, le fils de pute, là. Ma parole, bouge, je te nique ta mort. Je voulais dire je te nique ta mère, mais j'ai dit t'es mort et du coup ça a donné un truc chelou, ouais.
bon, autour de ta sale nuque. Eh, mais c'est qu'il perd pas ses vies facilement, le con. Et merde. Je n'ai plus de lame. Il va falloir se concentrer dans ces gambettes. Voilà. Putain, c'est... Oh, ils sont fourbes, les titans. Voilà. Allez, ça, c'est fait. T'as tout le sang qui a giclé, c'est abusé. C'est quoi ce cri de merde qu'il a lâché, Armin? Là, tu vois, déjà ça commence avec Monsieur Thomas. Joyeux Noël, Armin. Voilà, et le mec il disait c'est impossible, je peux pas me faire bouffer maintenant, tu sais. Et voilà, enfin non, il disait je peux pas mourir maintenant, le mec s'est fait bouffer. Bon là on est content, on a eu le rang S. Par contre j'ai toujours pas mon truc pour améliorer. J'ai toujours pas eu les matériaux qu'il fallait. Je sais plus c'est quoi, c'est un truc en fer. Vous pouvez désormais utiliser Jean en mode bonus. Là on a un jeune chargement. Mais ils étaient mieux les chargements du 1, je trouve. Après ça change, mais voilà quoi. Ce du 1, enfin je sais pas, ça faisait exactement comme l'animé, tu vois. C'était stylé. Je me demande si tous mes camarades vont bien. Bon. Bah écoutez, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter là. Je vais quand même voir combien de temps ça fait que j'enregistre. Ouais, c'est le bon moment pour s'arrêter.
Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode 4. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir en lâchant un like et ou en lâchant un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez la vidéo et abonnez-vous si vous voulez toutes les suivre. Et puis moi, les Nakama, je vous dis à la prochaine. Jana.